Nous venons donc de célébrer l'Eucharistie dominicale dans l'abbatiale de Bouzonville. Et avec toute cette communauté chrétienne, nous avons fait mémoire de l'oncle Pierre Tritz, jésuite, qui a passé toute sa vie en Asie, que ce soit quelques années en Chine, et puis la longue, longue partie de sa vie en Asie. Et aujourd'hui, c'est comme un signe du ciel, un clin d'œil, puisque nous entrons dans la semaine missionnaire, lui qui, toute sa vie durant, a été missionnaire. Donc il est jésuite, il a passé toute sa vie donc, sur cette terre asiatique, et plus particulièrement aux Philippines, où il a créé une association, ERDA, pour travailler et permettre aux enfants déscolarisés de pouvoir apprendre à lire, à écrire, puisque, comme il le disait souvent, un enfant qui sait lire et écrire, c'est un enfant qui s'ouvre à une dimension tout à fait humaine et puis qui pourra s'en sortir. Alors, toute sa vie a été donnée à cette mission. Et donc, moi, son neveu, Pierre Tritz, depuis 4 ans, je suis le supérieur général des Fils de la Charité et je voyage à travers le monde pour visiter les communautés des Fils de la Charité sur les 4 continents sur lesquels nous sommes présents. Et pour moi, jamais je n'aurais pensé, originaire de ce petit village de Lorraine, traverser et voyager ainsi à travers les continents. Et c'est une manière à moi aussi d'être missionnaire aujourd'hui, de pouvoir rencontrer ces peuples, ces cultures, ces continents et de découvrir que Jésus-Christ est présent au cœur de ces peuples, que c'est ce même Jésus-Christ que nous avons célébré ce matin dans cette église de Bouzonville, c'est ce même Jésus-Christ mort et ressuscité que les cultures, que les peuples célèbrent, chantent et prient. C'est vraiment l'univers entier qui est missionnaire, comme nous y invite notre pape François, et chacun à sa place, tel qu'il est et avec ce qu'il est, peut être ce missionnaire dont le Seigneur a besoin aujourd'hui.